Eh bien, salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo découverte de The Finals, un jeu qui sortira courant de l'année 2023. Pour l'instant, on est sur une bêta fermée sur PC. C'est édité et développé par Embark Studio. C'est des anciens de chez Battlefield, etc. De toute façon, vous allez voir au niveau du gameplay, même visuellement, c'est un mélange entre Mirror Edge et Battlefield. Vous m'en direz des nouvelles. Si vous voulez plus de vidéos sur le jeu, parce que c'est un FPS, un shooter, est plutôt cool, je suis pas forcément bon, surtout que moi je joue sur PC avec une manette, donc je vais affronter des gens qui sont clavier souris, ça va être très compliqué, mais c'est pas grave, le but étant de vous proposer une découverte du jeu, et si vous en voulez plus, eh bien on aura plus. Déjà au niveau du personnage, on a trois styles, le poids léger, et chacun a ses propres spécificités, le poids moyen, ou le poids lourd. Moi, je vais prendre le point moyen, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour débuter le jeu. Une fois que vous l'avez choisi, vous avez votre arsenal, les armes que vous voulez avoir. Après, n'oubliez pas que comme c'est une bêta, il n'y aura pas tout qui sera débloqué tout de suite. À vous de voir la façon dont vous voulez jouer. Et là, ça fait beaucoup penser aussi à un jeu qui s'appelait Bink, qui était proposé par EA à l'époque. Au niveau du dessin, voilà, je vous montre un petit peu tout ce qu'on peut avoir. Ensuite, pour le style, c'est assez simple. La tenue, on a celle-ci. Le type de corps, une femme ou un homme, on va prendre l'homme du coup. Visuel, enfin, au niveau du visage. Après, j'avoue, moi, ça m'intéresse pas trop, sachant que quand tu joues à un FPS, tu vois limite que tes mains ou que ton arme. Pour la coupe de cheveux, pour l'instant, on en a avec deux. Voilà. Soit un Z près, avec un petit dégradé. Soit des cheveux. Oh, bah tiens, on peut même l'avoir chauve, tiens. Hey. On a activé un glitch, je vais le laisser comme ça, tiens, tant qu'à faire. Ensuite, accessoire de tête, il n'y a rien pour l'instant. Accessoire du visage, pareil. Haut du corps, vous avez soit le, on va dire un petit haut basique, ou le t-shirt, on va laisser en t-shirt. Bandoulière, on n'a pas, badge non plus. Le dos, c'est pareil, le poignet aussi. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de choses. Hein. Et le bas, vous avez soit le mode jogging, ou le mode short, on dirait on va faire un match de NBA, là. Et pour le pied. Et si on l'enlève, on peut pas l'enlever, tu vois. Obligé d'avoir des baskets. Pour les pauses, je pense que c'est les pauses en début de combat. Ou peut-être que si vous gagnez, etc. Je vous en montre quelques-uns vite fait. J'avoue, je préfère qu'ils se concentrent sur le gameplay plutôt que les pauses comme ça. En plus, j'avoue, je les trouve pas forcément très très folles. À part surveillance, là c'était pas mal. Dans les cordes, c'est quoi? Ah, c'est pas mal ça aussi. Bon, ce qu'on va prendre, c'est surveillance. Je trouve ça bien. Et pareil pour les émotes. Coucou ou... Ah, celui-là, j'aime bien. Voilà. Vous avez tout ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est débuter du gameplay. N'hésitez pas de me dire encore une fois dans l'espace des commentaires ce que vous voudriez. Laissez votre petit like. Qui dit FPS maintenant, dit qu'on aura une boutique. Voilà, on peut acheter ce mercenaire en mode épique, l'agent urbain ou l'OS lumineux. Après, dès le début, on m'a donné 1500. Donc limite, je peux m'acheter... quasiment les deux. Après, il faut voir comment ça va se passer. Est-ce qu'en juin, on va pouvoir gagner du crédit ou est-ce qu'il va falloir mettre de l'argent? C'est ce qu'on verra. On a un pass de combat. Voilà, pour les plus curieux, je vous montre quand même. Vu que c'est la première vidéo, je me permets que ce soit un petit peu plus long, que le gameplay va arriver au fur et à mesure. Et là, je sais pas du tout s'il sortira en mode, comment dire, free to play ou est-ce qu'il sera payant. J'avoue, je me suis pas forcément renseigné. Donc, s'il y a des gens qui ont la réponse, n'hésitez surtout pas, voilà. Voilà ce qui est du pass de combat. Nous, ce qu'on va faire, c'est jouer. Pour l'instant, on nous propose partie rapide, tournoi, le terrain d'entraînement ou didacticiel. On va partir en mode partie rapide. Et c'est parti! Je suis avec Ankei. J'espère que ça se passera bien. Alors, la particularité, c'est que j'ai fait une petite game avant de chauffe et je me suis fait éclater. Normalement, on est des équipes de 3. Enfin, voilà, comme vous pouvez le voir là. Et on voit qu'il y en a qui ont quand même pas mal joué au jeu, vu les skins de certains. Voilà, et nous on est la seule équipe où on est deux, mais parfois c'est pas trop grave. Le but de cette découverte, c'est de découvrir le jeu avec une entrée tout simplement magnifique. Nous sommes à Monaco. Le mode de jeu, c'est l'encaissement, c'est-à-dire qu'on va devoir récupérer des coffres et les encaisser dans les endroits où il faut encaisser, justement. Et les points se font comme ça. Alors après, c'est à vous de voir si vous voulez jouer l'objectif ou pas. Vu qu'on est que deux et que ça va être compliqué, ce que je vais tenter de faire, c'est de provoquer des gunfights. Voilà, des petits duels, même si je me fais éclater à chaque fois, pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça se passe. En tout cas, le jeu, là, cette map, c'est à Monaco, et c'est quand même
plutôt joli. Qu'est-ce que vous en pensez? Il n'y a pas à dire. C'est beau. Mais vous verrez que, en fait, jouer à la manette, c'est pas facile du tout. Voilà le problème. Quand tu joues à la manette sur le jeu, eh bien, le souci, c'est que bah, t'as pas l'aim assist hein, sur console. Eh ouais, sur console, c'est tellement simple. Tu vises une personne, boum, on te met dessus tout de suite. Mais quand tu joues sur PC, souvent, bah, c'est enlevé. Après, vous me direz, mais pourquoi tu joues pas clavier souris? Bah, c'est parce que j'y arrive pas. Voilà. C'est comme demain à des gens de jouer à une manette, alors qu'ils ont toujours eu l'habitude de jouer clavier souris. C'est pas possible pour eux. Mais c'est pas grave. Le but, c'est pas de gagner. C'est de vous montrer du contenu. Après, peut-être que je m'améliorerai au fur et à mesure. Là, je vais vraiment, comme je vous l'ai dit, voilà, tenter des gunfights. Même si je me fais tuer, c'est pas trop grave. Et la seconde partie, j'essaierai de trouver une deuxième map. Où là, cette fois-ci, on jouera l'objectif. Je pensais là, l'avoir aidé une seule fois, mais pas du tout. Aucune balle à toucher. Et c'est vrai que la particularité, c'est que... Eh bien, c'est plus simple, au corps à corps, de la jouer au jugé. C'est-à-dire tirer sans viser, plutôt que d'essayer de bien viser. Oh. Après, je connais pas trop les maps. Mythe, c'est on est plus là pour de la découverte d'environnement. Elles sont quand même assez grandes. Ceux qui sont allergiques aux grandes maps, surtout. Ah, en mode vertical, non, ça va. Ça va pas être fait pour vous, ce jeu. Bon. Allons voir ce qui se passe. On peut pas monter ici, ok. On va voir, il y a du monde là-bas. On va essayer d'y aller. Histoire de se faire fumer. C'est ça qu'on veut, non? Allez, on y va. Et là tu sens des vibes comme Battlefield au niveau de l'arme, au niveau T2. Comment c'est fait? Bon, après c'est beaucoup plus coloré. Bien entendu. J'ai de la greu. Comment il faut pour viser? Bah tiens, j'ai éliminé une personne avec ma grenade. Voilà. Je suis peut-être pas le meilleur en visée. Mais je réussis quand même. Au secours! S'il vous plaît! Appelez un médecin! On peut pas s'allonger par contre. Je peux récupérer ma vie? Ah, c'est la guerre! Voilà, moi c'est ça que je vais vous proposer. Ça sert à rien de l'affronter lui. Il y a des gens qui sont juste là. Je vais essayer de les avoir par derrière. Est-ce que... ça va fonctionner? Normalement... ils étaient là. Ok, on a vu un qui était à ma gauche. Oh, il me fait flipper l'oiseau. Il était tellement bien fait. Donc là, on est d'accord, on est dernier au niveau du classement. Mais comme je vous le dis, cette game-là, elle était vraiment... Que pour le gunfight. Après, quand je ferai l'objectif, il y aura aussi du gunfight sans doute. Vite. On les a vus. On peut peut-être les avoir par l'arrière. Monte. Ne t'arrête jamais de monter. Le souci, c'est que je sais plus où je suis. J'ai l'impression d'être revenu en arrière. On a pris de la hauteur, c'est bien. Ok. Comme par hasard. Quand j'arrive... on touche avec nos grenades, hein. En fait, on est expert grenadier. Fuyez. Tant que vous le pouvez. Quand on en a vu un qui était là-bas. Mais moi je me dis que... à la base c'est des équipes, 4 équipes de 3. Mais je pense que ça mériterait d'avoir un peu plus de monde. Après là c'était... ah.
C'est peut-être juste que pour la bêta. Oh non, on l'avait presque, c'est dommage. Peut-être que pour la bêta, ce système voilà, de 4 équipes de 3. Oh, bien joué, ça. Comme ça, au moins, vous verrez du beau gameplay avec lui. Vous voyez, bon gameplay à moi, et là, on voit un gameplay personne qui maîtrise un peu plus. Et vous voyez qu'il n'y a pas que moi qui galère pour bien viser. Surtout que tu sens que le jeu est vraiment, comment dire, il est adapté au corps à corps. C'est-à-dire de loin, hormis si t'es un sniper, pour l'instant, qui n'est pas récupérable. Bien, c'est pas évident du tout. Warning, match avant incoming. Allez, let's go. Match avant, je suis avec mon coéquipier. Je reste avec lui. À la vie, à la mort. On va faire un peu de team play là. Merde. Oh, j'ai eu en pleine tête. Bon, ce sera pas suffisant. Moi, je suis comme un rat. Moi, je me cache dans les décombres. Je suis désolé. De toute façon, si vous voulez du beau gameplay, allez voir des pro players. Moi, je suis un rat. C'est que dès qu'il y a un affrontement, bah, à la base, j'ai voulu quand même réanimer mon coéquipier. Et là, bah, c'est bien, on peut voir un peu la map quand on est mort. Donc, profitons-en. Quand même pas mal, hein, franchement. Le terrain de jeu est cool, il est destructible. Après, faut avoir les armes pour. Mais vraiment, bah moi j'espère qu'il sortira sur console. Bon, je pense qu'il sortira sur console, ça me paraîtrait abusé si c'est pas le cas. On y va, mon gars. D'accord, il y a de l'encaissement ici. Comme d'hab. Alors. Ah. C'est quoi ça? Ok, c'était une tourelle. Je savais pas que c'était possible d'en avoir. On est arrivé quatrième, mais la base, c'était vraiment juste de vous montrer comment ça se passait en termes de gameplay, de gunfight, d'intelligence de jeu, que j'ai pas du tout. Mais c'est pas grave. Au moins, on a fait une élimination. C'est mieux que rien. Merci à mon coéquipier de m'avoir supporté. C'est parti pour la deuxième partie. Et cette fois-ci, on va jouer l'objectif autant qu'on peut. Cette fois-ci, on est trois. Objectif, me voilà. Et en plus, je vais découvrir cette map. Parce que tout à l'heure, j'avais fait la map de Monaco. Là, on va faire Séoul. Et on a différentes façons de jouer les maps. Des fois, il fait nuit. Des fois, il fait jour. Des fois, il pleut. Des fois, il pleut pas. Au moins, vous aurez vraiment deux environnements différents. Là, franchement, je vous ai dit, je joue l'objectif. On peut passer par là? Donc, ça aurait été sympa de pouvoir passer par les conduits. Ah! Voilà. Par contre, je suis en train de me faire violente. Bah ouais, bah voilà. Mais quoi, pour une fois que c'est moi qui ai voulu la jouer, on va dire objectif, je me suis fait violenter. Allez, essaye de me réanimer, merci à lui. Au moins il essaye, tu vois, je... Ah, merci mon pote, merci, merci. Mais c'est... Oh, j'ai failli l'avoir. Ah, au moins, et tout à l'heure j'ai dit, ouais, première partie c'est du gunplay, et là... Non, bah au final... On va les suivre, tiens. Ça qui est bien. On peut voir un petit peu ce qui se passe. Vous voyez que le but, hein, direct, déposer tout ça, en plus il va super vite. Je sais pas si... C'est vrai que le jeu, apparemment, ça se joue à 3, comme on a dit. Ah mais vas-y, mais c'est Superman le bourbier, là. Donc, normalement, chacun doit avoir son... Nous, on est tous les 3, il me semble, en moyen. Normalement, tu dois avoir une personne qui est lourde, une personne légère. C'est elle qui va transporter, et une personne moyenne, enfin, au début, les 3 styles, quoi. Normalement, c'est ça qu'il faudrait faire. Après, bah, vu que je connais pas les personnes et que c'est une bêta fermée, c'est pas évident. Oh,
Mais c'est ce qui doit être fait. Attends, je voulais quand même vérifier qu'il y ait personne. Yahoo! Let's go! On a quand même fait 500 loin. Hein. Voilà. Il y en a qui encaissent. Est-ce que ça serait pas le moment de tenter de le désencaisser? Après, vous voyez, moi j'ai des, j'ai des pouvoirs, j'ai des choses et tout. Mais on peut avoir une tyrolienne, etc. Bref. Alors, pas mal de choses. Encore une fois, il faut pas mal jouer. C'est pas approprié ce jeu pour une découverte. Pour avoir du beau gameplay, je parle. Et voilà! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voulez? Mais qu'est-ce qui se passe? Au secours, je crame! Ah! Ah, il crame! Ah, crac. Au moins, on en a tué un. C'est marrant que le kill que j'aurais fait, c'est un kill quand je joue l'objectif. C'est que j'ai un peu paniqué. On est d'accord. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est pour les attirer. Pour leur faire un petit peu peur, tu vois. Oh. Et quand je dis que c'est destructible, au moins là maintenant vous voyez. Vous voyez, c'est bien destructible. Et là, c'est autre chose. Et ça, et pour l'instant, ça bronche pas. Mais il m'avait vu. Enfin, je pense que je suis pas forcément à un endroit. À un bon endroit. Souvent on dit que. Avoir la hauteur, c'est avoir l'avantage. Ils sont deux, bah oui, on avait vu l'autre qui s'était mis invisible. On l'avait vu. Bon bah, moi qui voulais jouer l'objectif, finalement... bah, je vais pas trop pouvoir. Bon bah c'est bien. Vous voyez comment ça progresse. L'intelligence de jeu une nouvelle fois, mais j'avoue moi, mon intelligence... Grenade, gra. Et uniquement ça. Mais vraiment, là je suis un peu dégoûté qu'il soit que sur PC, parce que moi je préfère jouer sur console. Mais j'espère qu'il sortira sur console. Bon, je le vois pas sortir sur PS4 ou Xbox One, parce que vu comment ça pète dans tous les sens et que c'est assez fluide. Excusez-moi, j'ai oublié de mettre un crédit pour réapparaître. Ah, c'était de ça qu'il utilisait tout à l'heure pour aller plus vite. Ouais, c'était peut-être ça. Bon, on peut voir que les maps sont assez différentes. Quand tu vois Monaco et cette map, on l'a vu, hein. On l'a vu, il était là-bas. Mais le souci, le temps d'y arriver... En plus, comme par hasard, tout à l'heure, ça joue pas trop l'objectif. Et là, maintenant que je me décide... à faire une game spécial objectif, bah c'est plus possible. Où va le monde? Oh là là. Mais vas-y, je suis pas un lapin, c'est bon, arrêtez de me courser là! Laissez-moi en vie, laissez-moi en paix! J'en supplie! Laissez-moi vivre! Bah oui, j'ai essayé de faire semblant que j'étais mort! Vous connaissez la technique du rat? Bah maintenant, vous connaissez la technique du mort! Au moins, c'est bien. Oh là là, qu'est-ce qu'il joue bien lui! En fait, limite, j'aurais dû faire ça, tu vois. Mourir tout de suite. Oh le. Ah dommage. Mais la tourelle elle fonctionne pas. Si, elle met un peu de temps. Ah c'est quand même assez fort la tourelle. Hein. C'est très... Moi j'avoue, quand vous voyez mon style, bah là c'est quoi qui se passe? Je joue, j'ai des grenades. Mais après quand tu peux débloquer ces petits pouvoirs, la tourelle, le fait d'être invisible, ah tu deviens très fort. Après, je sais pas vous. Excusez-moi, j'étais en train de regarder une tourelle. Je suis pas très... Trop de pouvoir, le fait d'être invisible, tout ça, ça gâche un peu le côté skill. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je dis pas que la personne qui est invisible n'a pas de skill, hein. C'est pas ça le truc.
c'est que ça casse le côté FPS, combat, 1v5, et qu'il peut courir, être invisible. Ah, je sais pas. Il faudrait qu'il y ait un mode de jeu qui, ou des options, des paramètres qui valident ou non. Vas-y, moi je vais les suivre. Hein. Qu'à faire. Tout à l'heure, je les vois, ils jouent bien. Et là, on a un mode gravité réduit. On l'a vu tout à l'heure. J'ai sauté. Mais ça sert à quoi de faire ça? Vas-y, moi je vous suis. Hein. Ça, c'est bien quand t'es un sniper. Mais là, ouais, c'est... Y a... Aucun intérêt! D'accord. Lui, nous a... il m'a bien eu, il nous a tous eu. Franchement, c'était bien cool. C'était bien bien cool, on est arrivé deuxième. Et je pense que c'est suffisant pour une découverte. Je m'excuse encore pour la qualité du gameplay. Et vous voyez que c'est pareil pour tout le monde. Hein. C'est pas évident. Mais bah, j'ai qu'une envie, c'est peut-être m'améliorer. Jouer avec des amis pour communiquer, parce que là, sans communication, c'est vraiment pas simple du tout. Déjà, eux ont plutôt bien joué. Je vous fais des gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a fait un minimum de points, on a fait l'objectif, une élimination, donc finalement, par rapport à mon équipe, j'ai pas été si mauvais. Gros bisous, et à la prochaine, portez-vous bien, et puis c'est tout. Allez, salut!